Et bonjour à toute la ZUCLE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une actu sur Nasdaq. On n'en finit pas avec l'équipe Nasdaq. Alors cette fois-ci, c'est pas lui directement. À l'époque, je vous avais donc fait état du harcèlement qu'avait subi une petite Asia qui était venue pour se marier avec Samo, s'est rejoindre l'équipe Nasdaq, s'est réalisé finalement son rêve alors qu'elle était sûrement handicapée et a subi du coup un viol collectif dans une vidéo. Alors on va se remémorer les événements avec cette vidéo de Nasdaq qui en parlait déjà il y a plus de 15 jours. Elle qui m'a demandé de faire cette vidéo là. Je voulais pas la faire. Il y a Asia qui m'a demandé de venir me parler. Loin des gens, on rappelle, et du coup il en a parlé loin des gens, mais en filmant tout pour montrer à des millions de gens plutôt qu'à une quinzaine de personnes du quartier. Et elle m'a demandé de me mettre à l'écart de tout le monde. Actuellement, il y a une vidéo qui tourne sur elle. Cette vidéo, tu m'as dit qu'elle date déjà 6 mois en arrière. Oui. Et c'était où? C'était à Nice. Donc effectivement, la vidéo existe, hein, malheureusement. Je crois qu'elle a été supprimée des réseaux depuis qu'il y a eu la plainte. Oh, malheureusement, on voit Asia faire des trucs que je cautionne pas à la chaîne. Je lui ai dit que c'est pas normal. Mais les personnes qui l'ont filmé à son insu, parce qu'ils lui ont dit, la chaîne, ils lui ont dit qu'à la base c'était quoi le flash? Tu savais pas que t'étais filmé? Aujourd'hui, vous postez cette vidéo. C'est une petite, elle a 18, t'as 18 ou 19 ans? Elle a 18 et demi. Vous cherchez quoi? Vous cherchez ça, vous avez eu votre moment de gloire, vous l'avez posté sur Twitter, sur Telegram? C'était juste. Donc là, c'est assez dramatique, hein. Donc le viol d'une jeune femme qui est mise en scène pour pouvoir, voilà, en plus de ça, voilà, des fois il y a dans la description, machin, on comprend pas trop. Que après que je suis venu ici rentrer dans la chemin avec vous, c'était juste après. C'était juste après. Ça, c'est vrai que ça pose question. Et moi, à l'époque, j'avais dit, j'espère que c'est pas des gens de la team. Écoutons la suite. Ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'ils l'ont pas mis avant, ils ont entendu qu'elle est de la notoriété pour la poster. Et franchement, oula, que c'est horrible. Eh, je vais pas vous souhaiter du mal, les personnes qui font ça. Mais faire du buzz sur une petite de 18 ans qui a fait une erreur que je cautionne pas, une erreur que je cautionne pas. Voilà, que je cautionne pas, sous-entendu, ouais, c'est un peu elle la fautive, quoi. C'est elle qui a fait l'erreur. Bah non, peut-être que c'est les mecs qui l'ont violée aussi. Si c'est un viol, c'est pas de sa faute, Nasdaq, pour le coup. Hein, c'est pas forcément elle la fautive, surtout qu'elle a l'air d'avoir des petits problèmes d'ordre psychologique. Donc effectivement, je pense pas qu'elle soit totalement responsable. Horrible. Horrible. Effectivement, horrible. Et Samos. Le collègue de Nasdaq, hein, l'un des protégés de Nasdaq, qui donne de l'argent à la chaîne, il offre une vie incroyable. Samos va aller en prison par rapport à la vidéo. Alors on n'a pas tous les détails pour l'instant, je vais essayer de me renseigner encore, mais là j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'infos sur le sujet. Je pense qu'il protège un petit peu aussi ce qui va fuiter, mais Samos a fait cette vidéo. Alors moi je suis pas sur son snap, la prochaine fois j'essaierai de chercher directement sur le snap du jeune homme. Attendez, je vais vous recadrer ça et écouter ce qu'il nous dit. Il est là, juste en bas. Il est en train de chialer. La team, ça va vraiment plus. Je sais pas comment vous le dire, mais je vais tout mettre sur ce. Et là, c'est écrit, avoue le viol. C'est ça qui est fou, c'est... Ils disent qu'il avoue le viol, donc je sais pas. Est-ce qu'il était dans la team? Est-ce qu'il a fait partie des gens qui ont fait le viol ou filmé? Peut-être, parce qu'il sortait avec elle, peut-être qu'il a dit, vas-y, fais plaisir aux copains et tout. Et c'est là que je vous disais, on tombe dans l'immondice, on tombe dans l'exploitation de la misère au plus crasse qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que même le crasseux arrive à exploiter la misère d'une autre fille qui va considérer comme une crasseuse et la salir. Et malheureusement, on se retrouve avec des images sur le net. Alors, je sais pas si c'est lui qui a fait ça, mais dans l'état où il est... Viens là, juste en bas. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vous jure que ça va... Attends, il dit ça? J'ai beaucoup... Il dit... Attendez, il dit quoi là? Je vais tout mettre sur ce lien là, juste en bas. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vous jure que ça va péter. Ça va vraiment péter. Alors après, c'est peut-être des potes à lui, hein, qui ont détourné la petite Asia. Je sais pas. C'est chaud, mais ça pue. Vraiment là. Je vous avais dit hein, que ça puerait cette histoire et que ça allait finir très mal. Et bien, ça commence à mal tourner. Mais allez, je vais tout mettre dernière sur... fois. La team, ça va vraiment plus. Je sais pas comment vous le dire, mais je vais tout mettre sur ce lien là, juste en bas. On s'en bat les couilles des liens, gros. Faut dire les choses, ou sinon ferme-la à tout jamais. Mais là, il y a un vrai problème. Hein. Et si c'est pour finir à chialer comme ça pour demander pardon, il y a un vrai souci. Il y a un véritable souci. Et il va falloir se remettre en question, même dans la team Nasdaq, parce que là, vous allez vers votre fin. Hein. Là, ça commence à puer la fin. Et le jour où il y aura un meurtre, un autre viol ou je sais pas quoi, et que cette fois-ci, ça va être imputé sur des membres de l'équipe, vous êtes dans la merde. J'ai beaucoup de choses à vous dire.
Et je vous jure que ça va péter. Ça a pété, ouais, ça a pété. Comme Nasdas à l'époque qui disait que... Elle qui m'a demandé de faire cette vidéo, la chaîne, voilà. Je voulais pas la faire. Ouais, il voulait pas, et puis il fera en sorte que tout soit réparé, etc. Je vous rappelle que j'avais fait cette vidéo... Et bonjour à toutes les yeux. Et qu'effectivement, on voyait hein, la petite qui galérait. Alors, on voyait qu'il avait appelé l'avocat. Hein, ici. Je revête un minimum à une qualification délictuelle, voire criminelle. Seront visées par des actions judiciaires l'ensemble des intervenants. Hein, de... Et ça se trouve, Samos fait partie de l'ensemble des intervenants. Et il est là le problème. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Le problème, c'est qu'il serait bon de vérifier ça. Et s'il y en a qui ont des infos sur l'affaire avec Samos là, actuellement et tout, je suis tout à fait preneur pour voilà, dire si c'est faux ou valider, en tous les cas, si c'est vrai qu'il va en prison par rapport à ça. Parce que s'il va en prison par rapport à ça, c'est qu'il fait partie des gens qui ont participé. Cette vidéo ainsi que les individus ayant partagé ce contenu indigne et avilissant. Cette diffusion massive n'a pour seule ambition que de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de ma cliente en occultant sciemment les conséquences pénales et morales qui en découlent. Le monde dématérialisé d'Internet ne constitue pas un no man's land juridique. Il conviendrait de le rappeler judiciairement par le biais de plaintes pénales. Ouais. Et voilà, et ça c'était effectivement l'annonce, et Nasdas qui lui rajoutait ceci. Tout contre HNT. Mais sachez que Asia, même si elle a 18 ans, elle n'est pas toute seule. Il y a encore des gens qui ont un minimum de cœur et qui vont pas laisser passer ça. HNT, le jour où j'en reparlerai. Et j'espère que tu laisseras pas passer si jamais Samus ou qui que ce soit est responsable, il faudra le dire. Il faudra le dire clairement. Et voilà, annoncer la couleur quoi. Ce serait bien, ce serait bien. C'est le jour du tribunal, que justice soit faite et Maître Malawi, merci, merci beaucoup. Et on verra si Maître Malawi arrive à faire compte. Et on verra si Samos arrive à sortir de prison et à dire la vérité. On découvrira tout ça, c'est une histoire malheureuse. La petite Asia, je sens que ça va être très compliqué pour elle, la suite de sa vie, parce qu'elle a que 18 ans. Viol collectif, vidéo diffusée sur le net, peut-être... Samos concerné avec qui elle a été mariée, je le rappelle, mariée parce qu'elle était venue et qu'elle avait fugué de chez elle pour rejoindre la team Nasdas, ce qui n'est pas rien. Je pense quand même qu'on pourrait imputer non pas des responsabilités à Nasdas, mais en tous les cas, on pourrait se poser grandement des questions sur la situation et la sécurité de cette jeune femme. Et vous, vous en pensez quoi, Lazio, Claudie? Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait ce soir. Il y a Jack Le Fou en interview, en Zio Claudie, donc je vous invite à venir. C'est un Algérien non musulman, sceptique, qui débat avec des musulmans pour les amener au plus près du bord du biais cognitif. Ce soir, rejoignez-nous pour être au bord de la falaise et découvrir Jack Le Fou, une petite chaîne qui perce, que ce soit sur YouTube, TikTok et tout. Je vous invite à venir. Vous allez kiffer. Bonne soirée à toutes les yeux, Claudie, et des bisous à tous.